Salut à tous, c'est Jordan et dans cette vidéo on va retracer un petit peu toute l'année 2018 en commençant forcément par les appâts. La préparation forcément des amorçages, c'était de la bouillette coupée que je rajoutais du fluo boost. Disponibles sur le site de KitKat. Faire un bon petit tapis. C'est pareil, j'utilisais des bouillettes de plusieurs diamètres. Quelques nouveautés. La pop croûte qui est disponible sur le site de KitKat. Une présentation qui m'a rapporté des résultats cette année. Donc bien sûr, pas de best-of sans des départs en direct. C'était un départ assez violent celui-là. J'ai mis une canne en bordure et parti. Là on était plus sur l'automne. Le poisson n'était pas très virulent. Petit départ encore. Donc ça c'était un gros départ, la canne avait sauté du détecteur, j'ai pas réussi à sortir le poisson, je savais pas trop ce que c'était comme poisson. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était un silure, donc je pense que ça doit être un silure vu les tapes qu'ils me mettaient dans la canne. Et bien sûr tous les combats de l'année. Je pêche beaucoup en rivière, donc les combats sont vraiment vraiment très sportifs. Que ça soit petit ou gros poisson, on ne sait jamais trop ce qu'on a au bout de la canne. On voit vraiment une fois qu'on l'a dans l'épuisette. Ah, je me rappelle celle-là, elle s'était coincée dans les branches en bordure. Ah bon, c'est aussi ça la pêche en rivière. Beaucoup d'obstacles, donc les poissons vont directement dedans. Une petite pêche en famille. On avait bien rigolé, faire du poisson en journée en plus, le top. Là on voit qu'elle est bien dans les branches. Donc là c'est pareil, j'avais adopter une technique en bordure qui avait plutôt bien marché sur de la graine. Pareil, c'était des petits poissons, mais des poissons très forts. Un beau départ en fin de nuit. Avec un beau coucher de soleil derrière. We'll be right back.
Elle voulait vraiment pas venir dans les plus étoiles. Et hop, elle est dedans. Donc là, c'est en automne, une des dernières saisons. Elle fait beaucoup de poissons et beaucoup de petits poissons. Sur un amorçage à la tiger et à la bouillette. Les bouillettes qui sont en test. Qui ont montré leur efficacité sur une eau beaucoup plus fraîche. Je pêche avec un collègue abonné, donc pour l'année prochaine, si vous voulez faire des pêches avec moi, c'est avec plaisir. Il suffira juste de me contacter sur mon mail. Et on enchaîne bien sûr sur les beaux poissons de cette année. J'ai pas pu tous les mettre, mais j'ai mis l'essentiel. Belle petite commune sur une pêche de 24 heures. Là, pareil, une belle commune. Une deuxième. Ce que je vais faire, je vous mettrai un lien au-dessus de la vidéo pour chaque poisson, la vidéo qui va avec, pour voir un petit peu ma technique de pêche que j'ai adoptée pour prendre ces poissons. Une belle miroir aussi, pris en bordure. Une des dernières grosses communes que j'ai faites en rivière. Petite boule de rivière. Les poissons, bien sûr, pris aussi la nuit. Les poissons que j'ai pris cette année, elle n'avait pas de nageoire celle-là. Bien sûr, cette année, je vais refaire des concours, donc je ferai des enduros, donc je vous ferai aussi des vidéos sur mes enduros. Et mon record de cette année, belle miroir de 21,8 kg, pris en rivière. Un poisson tout en muscles. Et bien sûr, comme toujours, je pêche en no-kill, donc on remet toujours le poisson à l'eau. Et voilà la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à l'année prochaine.